Salam alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un toast à la turque. C'est super simple à faire avec très peu d'ingrédients et surtout très bon. Donc ici, j'ai un pain turc. Voilà, c'est celui-ci. Vous pouvez utiliser un pain restaurant, surtout pas la baguette parce que ça va être vraiment très petit. À côté, j'ai ma machine qui est en train de chauffer. Ici, j'ai deux œufs que je vais mettre du sel, du poivre, une petite quantité d'harissa. Je vais bien mélanger le tout. Là, j'ai du soju que j'ai coupé en rondelles, du cacio e pepe et le piment, donc c'est pour plus tard. On mangera à côté. Donc ma machine, elle a bien chauffé. Je récupère un petit morceau de beurre. J'essaie d'en mettre un peu partout. Voilà, là je mets mes œufs battus. Donc voilà, vous faites attention. Voilà, avec une cuillère en bois, vous essayez de ramasser tout ça. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre dans votre pain un petit peu de concentré de tomate ou du concentré de piment, de la vache qui rit. C'est ce qu'ils font là-bas en Turquie. Voilà, mais moi je vais rien mettre, juste mes petits œufs. Voilà, je prends mon pain, donc je vais bien aplatir tout ça. Et avec la machine, j'appuie très fort pendant quelques secondes. Voilà, donc maintenant, mes œufs, ils ont bien tenu sur le pain. Je retourne, je badigeonne encore un tout petit peu de beurre. Donc le surplus des œufs, bien sûr, ramassez-le, mettez-le sur votre pain. Je récupère les rondelles de soujouk, j'en mets un petit peu partout. Pareil avec le cacio e pepe, j'en mets de partout. On referme, on remet du beurre. Donc le beurre, ça va vous donner un très très bon croustillant. Et avec la machine, pareil, j'appuie très très fort pendant quelques secondes. Je retourne mon pain et je termine avec du beurre. Pareil, de partout. Je referme la machine quelques secondes et c'est prêt. Donc directement, voilà, à la sortie de la machine, je vais les couper de cette façon. On accompagne tout ça avec du thé, bien sûr, à côté. Donc il y aura des olives, des tomates, du miel, du beurre, etc. Vraiment, c'est super simple, c'est bon, c'est rapide. Les choses les plus simples, des fois, sont les meilleures. Les enfants, surtout, ils aiment énormément ce genre de toast. Voilà, j'espère que ça vous donnera des idées. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.